Bienvenue. Chaque jour, il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne MagNews. Nous vous invitons à vous abonner, à interagir et à activer la cloche pour recevoir les actualités. C'est parti pour Masque Singé. La saison 3 du divertissement costumé de Camille Combal sur TF1 a ouvert ses portes vendredi dernier. 12 nouvelles personnalités à démasquer ainsi que de stars internationales qui font d'ores et déjà l'objet d'enquêtes poussées de la part du public et du quatuor d'enquêteurs composé de Jarry, Alessandra Sublet, Kev Adams et Angoon. À l'issue de la première émission, les costumes du poisson corail et celui du Bernard l'ermite ont été éliminés et démasqués. Il s'agissait de Maud Fontenoy et d'Alain Bernard. Je me suis vraiment impliqué et j'ai été ravi de faire partie de cette aventure. J'avais vu que David Douillet ou Marie-Josée Perret y avaient participé, ça m'a aussi persuadé, nous a d'ailleurs confié le champion olympique. Un geste de la main loin d'être anodin mais au-delà des enquêtes, c'est la bonne humeur ambiante entre les jurés et Camille Combal qu'auront également retenu les téléspectateurs de TF1. Avec un animateur littéralement déchaîné osant notamment une petite blague sur le costume très, trop, moulant du crocodile qui porte à gauche. Dès l'ouverture de l'émission, après une chorégraphie hilarante, ce dernier annonçait la couleur en lançant la saison 3 de Masque Singé. Et d'appuyer son propos en faisant le signe 3 avec sa main posée sur sa cuisse. Un geste loin très anodin. Surtout sur TF1. Une polémique qui remonte à juillet 1997 en effet, les plus anciens d'entre vous auront immédiatement compris la référence à une ancienne et retentissante polémique autour de l'émission Interville. Programme culte et suivi à l'époque par plus de 10 millions de téléspectateurs, le format avait été entaché par une sombre affaire de triche qui aurait favorisé en direct la ville du Puy-du-Fou en juillet 1997. En cause, l'arbitre et co-animateur d'Interville Olivier Chiabodo qui aurait, lors du quiz final, indiqué la bonne réponse à l'équipe avec ce fameux geste de la main. Merci pour vos commentaires et votre interaction avec la chaîne.